Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 3 mai 2023. Vous le savez, le 3 mai est consacré à la liberté de la presse. Au Bénin, les médias se mobilisent pour marquer ce jour. Vous le verrez dans la une des journaux déjà, les quotidiens parlent de leur journée. Nous allons aussi en parler à l'étape du débat. Nous allons nous pencher avec les débatteurs sur l'environnement actuel d'expression et de jouissance de la liberté de la presse. Et surtout dire un mot sur le thème de cette année, façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme clé de voûte du droit des droits humains. Vous suivrez votre élément témoin réalisé dans le cadre de nos échanges à venir. La célébration n'a pas fait oublier son travail à la presse ce matin. Diverses informations sont abordées par les parutions dans leur production aujourd'hui. Une nouvelle attaque d'hommes armés non identifiés dans la nuit du lundi à mardi dans une ferme de Kaobagou dans la commune de Kérou au nord du Bénin a fait plusieurs morts. C'est l'un des sujets traités par la presse ce matin. Voici la une des journaux. Et nous allons ouvrir avec Fraternité qui nous présente en manchette l'un des deux sujets traités par la presse ce matin. 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les professionnels des médias au creux de la vague. Noël Alagbada, journaliste à la retraite sur la liberté de la presse. Il y a des journalistes déterminés à faire leur travail. Attaque terroriste au nord du Bénin. Une dizaine de personnes tuées, d'énormes dégâts matériels. Espace bien-être consacré par votre journal. Les feuilles de crin-crin, le trésor mal exploité. Un autre journal maintenant, l'autre quotidien, animation plurielle de la vie politique nationale. À quoi sert le chef de file de l'opposition, se demande la publication. En prélude à la réunion stratégique qui démarre ce jour, Le Progrès titre en manchette une délégation de la Banque mondiale reçue hier par Patrice Talon. Matin libre, éligibilité de Patrice Talon en 2026. Attention, la Constitution ouvre une brèche. Le révélateur du jour, attaque terroriste à Kérou, plusieurs civils a tué. Nouvelle mutation, Journée internationale de la liberté de la presse. La presse béninoise en agonie. Le Soleil Bénin Info, distinction et reconnaissance de mérite de personnalités autres et autres par les organisations non gouvernementales. Quand l'anarque rime avec l'escroquerie. La relève info. Rentrée politique de l'Alliance des Forces Nouvelles. Rendre la solidarité active plus forte que l'individualisme aveugle. Le matin, baccalauréat, session de juin 2023 au Bénin, 77 563 candidats répartis dans 136 centres de composition sur la liste de départ. La liste des correcteurs au niveau national déjà harmonisée nous confie le journal. Le potentiel. Gouffre financier, mauvaise gestion des coopératives d'aménagement rural du Mono. Fuyant la prison, les truands utilisent la couverture de Patrice Talon. Nous passons à un autre quotidien, le Clairon. Préservation de la paix dans les universités. Les étudiants sensibilisés sur les franchises universitaires. Inauguration de la bibliothèque de la FSS, la faculté de sciences de santé à l'université donc d'Abomey-Calavi. La fondation Odon Vallée soulage les étudiants. Décryptage info, production de manioc. Le Nigeria, premier producteur mondial, approuve un projet de 25 millions de dollars. Nous retournons à la une Fraternité pour finir. 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les professionnels des médias au creux de la vague a mis en manchette le quotidien qui paraît à mes notes. Et puis d'ailleurs, le journal a donné la parole à Noël Alagbada, journaliste à la retraite. Il s'est prononcé sur la question, notamment la liberté de la presse. Il y a des journalistes déterminés à faire leur travail, a constaté le doyen. Attaque terroriste au nord du Bénin. Une dizaine de personnes tuées et d'énormes dégâts matériels. Espace bien-être. Les feuilles de crin-crin, le trésor mal exploité.
Voilà donc le tour rapide de l'information à la une des productions des journaux ce matin. Vous l'aurez constaté, deux sujets. Hein. Le tout premier consacré justement à la célébration ce 3 mai de la liberté de presse. Et puis le second qui parle de cette attaque hein, au nord du Bénin, des personnes non identifiées armées qui ont fait irruption dans un village et qui ont massacré des personnes. Une dizaine, dit-on, tuées à l'occasion. Eh bien, nous allons voir maintenant de quoi retourne l'actualité par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Ce sera le bulletin de information à présenter par William Cliquant qui est déjà installé. William, bonjour. Bonjour Tanguy, Tout à bonjour l'heure, à tous. je vous donne la parole hein, pour la présentation complète, mais déjà voici les titres de votre bulletin. Il y a de quoi pousser un ouf de soulagement quand on est apprenant ou universitaire en médecine à Cotonou. Une bibliothèque d'un fonds documentaire de plus de 10 000 ouvrages d'édition récente vient de voir le jour pour le bonheur de la recherche scientifique. L'ONG Bénin Excellence de la Fondation Odon Valley est à l'initiative de l'érection de cette infrastructure à la Faculté de Sciences de la Santé FSS de l'Université d'Abomey-Calavi. L'inauguration s'est tenue hier. Et puis ce soir, à partir de 20h, Canal 3 Bénin, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, vous donne rendez-vous pour un journal des enfants. Nous sommes le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, collée au thème de cette édition. Il traite des sujets relatifs au respect de leurs droits. Mais avant, nous vous proposons d'ici quelques instants de découvrir les coulisses de la préparation de cette édition des enfants. Ainsi donc se présentent les titres du bulletin. Voici le développement. Bonjour à nous. Bonjour Tanguy encore et bonjour à tous. Et je le disais, hein, dans les titres, la Faculté des sciences de la santé à Cotonou dispose désormais d'une bibliothèque moderne spécialisée en médecine. Un don de l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence de la Fondation Odon Valley. L'infrastructure académique entièrement équipée, inaugurée hier, va permettre aux étudiants et chercheurs de ce secteur, le secteur de la santé bien sûr, de renforcer leurs connaissances et de les actualiser, surtout puisque les ouvrages sont d'édition récente. Le point de la cérémonie de mise en service dans ce reportage de Ingrid Day et Henri Ganti. Ce somptueux bâtiment que voici est la concrétisation d'un rêve longtemps nourri par l'ONG Bénin Excellence de la Fondation Vallée. Érigée ici à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, cette bibliothèque moderne spécialisé en médecine est un espace idéal aménagé pour permettre aux étudiants, enseignants et autres visiteurs de renforcer leurs connaissances en médecine. La Fondation Vallée en offrant ce joyau à la communauté facultaire de l'FSS ainsi qu'aux autres institutions universitaires mitoyennes s'est inscrite dans une dynamique de renforcer la recherche en sciences médicales à l'Université d'Abomey-Calavi. La bibliothèque de la Fondation Vallée, qui contient à la fois la documentation matérielle et numérique, est un véritable joyau qui satisfera sans nul doute le besoin d'enrichissement scientifique de nos étudiants, apprenants, enseignants et chercheurs. Les ouvrages équipant cette bibliothèque sont actuels et nous avons reçu la promesse qu'une mise à jour régulière sera faite. L'époque où nos étudiants ne lisaient que les livres estampillés, exclus de prêt, d'ailleurs, est révolue. Réalisé sur une surface de 1 350 m², ce joyau de type R+2 qui vient rajeunir la médecine béninoise dispose d'un fonds documentaire de 10 000 livres d'édition récente. Vous avez des bouquins 2023 et bientôt 2024. Donc je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Vous êtes à la hauteur des meilleures bibliothèques de médecine d'Europe. C'est ça ce qu'il fallait, mais je sais que vous avez tous les qualités nécessaires. Je me suis permise d'aller visiter ce que c'est. J'ai vu vraiment quelque chose d'impossible, extraordinaire, pour montrer que
il faut savoir identifier les besoins et pouvoir les combler pour la jeunesse. La thématique qui accompagne donc cette action importante, c'est les sciences de la santé. Que ce soit les sciences médecine, pharmacie, les sciences paramédicales et également tout ce qui pourrait animer et soutenir cette recherche pointue. Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 18h30, la bibliothèque Bénin Excellence de la Faculté des sciences de la santé est dotée de 675 places, des laboratoires de langue, d'une salle de conférence et de 6 salles d'eau, le tout agrémenté d'une connexion haut débit. On reste dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, précisément avec la chef de ce département ministériel qui a organisé une séance de sensibilisation des étudiants sur la franchise universitaire. L'objectif visé est de permettre à ces étudiants d'être outillés sur les questions et les implications de cette notion de franchise pour la préservation de la paix au sein des universités publiques. Florence Bossa et Rachidi Soubero. Les franchises universitaires, clarification conceptuelle, manifestation et limites. C'est autour de cette thématique que ces responsables des organisations estudiantines ont été entretenus dans le cadre de la prévention des conflits en milieu estudiantin, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De manière pédagogique, il a été question de leur définir ce que c'est que ce qu'on entend par franchise universitaire, de leur parler de son contenu et de les informer sur les limites à ne pas franchir relativement aux franchises universitaires, parce que, bien évidemment, c'est partie de la déclaration de Kampala qui interdit donc aux forces de l'ordre d'investir les enceintes universitaires pour y instaurer et maintenir la paix. Parce que justement, cela, la mission de maintien, d'instauration de maintien de l'ordre dans les campus universitaires sont de la compétence exclusive des autorités universitaires, notamment des recteurs. Une campagne de sensibilisation qui vient à point nommé et appréciée à sa juste valeur par les responsables d'étudiants fortement mobilisés. Il faut avouer que c'est une activité très importante parce que pendant longtemps, que ce soit nous qui sommes responsables étudiants, que ce soit nous, nos camarades étudiants, nous avons souvent tendance à avoir une définition tronquée de ce qui est vraiment de la franchise universitaire. Il était quand même important que ces genres d'activités, ces genres de communication se fassent pour que les responsables soient situés et qu'on comprenne quand est-ce que les forces de l'ordre peuvent intervenir à l'université et dans quelles conditions cela peut se faire. Démarrée depuis le 25 avril 2023, l'équipe chargée de cette campagne de sensibilisation des organisations estudiantines sur les franchises universitaires a sillonné les universités de Sakété, de Dassa, d'Abomey, de Lokossa et a pris fin ce mardi sur le campus d'Abomey-Calavi. Elle a permis aux étudiants d'être mieux outillés désormais sur les questions des franchises universitaires. William, toujours au troisième degré de l'enseignement, le réseau béninois d'éducation et de recherche est en mode adoption et vulgarisation à l'université d'Abomey-Calavi. Tanguy, ce projet piloté par l'Agence des services d'information et du numérique offre plusieurs services à la communauté universitaire. Les conditions d'accès au réseau et les mesures de sécurité mises en place ont été expliquées à ces acteurs, notamment les étudiants. C'était hier le point de Idriss Oubukari et Moufid Sagbora. Je voudrais demander quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre. À l'amphithéâtre Idriss Déby Itno sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, des étudiants s'imprègnent du mode de fonctionnement et les règles d'utilisation du réseau béninois d'éducation et de recherche. Une plateforme mise en place pendant la pandémie du COVID-19 pour permettre aux étudiants de suivre les cours en ligne offre désormais de nouveaux services numériques à la communauté universitaire. Qu'on soit étudiant, enseignant ou encore membre du personnel administratif, les conditions pour se connecter au réseau RBS sont bien claires et moins contraignantes. Ce n'est pas nos comptes Gmail personnels que nous utilisons. Ce n'est pas avec un seul mot de passe qu'on met à tout le monde qu'on se connecte désormais au réseau RBS. Nous avions mis en place une authentification
Et cette authentification demande à ce qu'on ait d'abord un compte étudiant ou sinon à ce qu'on soit d'abord étudiant passant par son inscription et que l'enseignant sur un site universitaire soit reconnu en tant qu'enseignant et le personnel administratif pareil. Ça évite d'avoir sur ce réseau-là d'autres personnes qui ne sont pas de la communauté universitaire. Pour les inviter, si nous savons comment faire pour que si l'université invite d'autres professeurs, d'autres enseignants, d'autres étudiants n'appartenant pas à l'université ou aux universités du Bénin, on a une possibilité de leur créer également un compte pour qu'ils puissent avoir accès au réseau Herbert sur le site sur lequel ils se retrouvent ou sur l'ensemble des sites du réseau Herbert, mais de façon temporaire. En tant qu'invité, quand ton délai, ton séjour finit, c'est que ton compte est automatiquement désactivé. Le réseau béninois d'éducation et de recherche met à la disposition de la communauté universitaire des offres comme une connexion Internet au débit, la bibliothèque numérique, la plateforme de collaboration et bien d'autres services numériques innovants. L'objectif de cette rencontre est d'adopter et vulgariser le contenu de ce projet exécuté par l'Agence des systèmes d'information et du numérique sous la supervision du ministère du numérique et de la digitalisation. C'est un réseau qui est mis à disposition de l'université par le gouvernement à travers la CIN justement. Et nous observons que la maîtrise de ce réseau-là n'est pas encore totale, n'est pas encore complète. Et c'est la raison pour laquelle la CIN s'est donnée pour mission de passer dans un certain nombre de centres universitaires pour échanger avec les étudiants dans le cas d'espèce. Parce qu'on aurait pu prévoir aussi un échange avec les enseignants. Et je crois que cela pourra être envisagé aussi éventuellement dans les semaines à venir. Le réseau béninois d'éducation et de recherche est établi dans 5 centres universitaires appartenant principalement à l'université d'Abomey-Calavi. Sa finalité, selon le représentant de la CIN, est de raccorder tous les sites des 4 universités publiques du Bénin. Aujourd'hui, 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse partout au monde, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et Canal 3 Bénin vous propose une édition spéciale du journal des enfants à ce rendez-vous des reportages qui relèvent les violences faites aux enfants ainsi que le respect de leurs droits. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la journée mondiale de la radio en faveur des enfants. Pour réaliser cette édition de journal, un travail minutieux est fait avec ces enfants. Suivez ici les coulisses de cette réalisation avec l'équipe de Canal 3 Bénin, Ali Moumouni. 3, 2, 1, 0. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale. Eh oui, c'est une édition spéciale. Un journal télévisé présenté par les enfants. Sur ce plateau, Goodluck Gamba et Laura Sohou pour vous servir le travail acharné des reporters juniors. Dans ce reportage que nous vous proposons, une équipe de notre rédaction, conduite par Immaculée Mouessavi, a fait un tour au marché d'Antokpa où le phénomène est recrudescent. Suivez. Fifa May est l'une de ses enfants qui vend ici dans le marché d'Antokpa. À son âge, elle ne va pas à l'école. En bref, voici l'avant-goût de cette édition spéciale que l'UNICEF vous propose en partenariat avec Canal 3 Bénin. Le projet, c'est la célébration en différé de la journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants qui se tient le 6 mars de chaque année. Pour sa mise en œuvre, tout a commencé dans le studio François Mincin de Canal 3 Bénin. C'était un vendredi, le 14 avril 2023. Les responsables de communication de l'UNICEF, les enfants et un groupe du personnel de la télévision. À cette rencontre, les rôles sont définis, les tâches attribuées pour un délai bien précis. Et comme cela se fait dans toute rédaction, des conférences sont tenues, non seulement à Cotonou, mais aussi dans les directions régionales de l'organe de presse à Lokossa, à Boïkan et à Natitengou. Il y a eu aussi la descente sur le terrain des reporters juniors accompagnés par des professionnels. Canal 3 et l'UNICEF ont bien fait de venir les enfants pour parler.
Pour moi, ça a été un peu difficile sur le terrain. J'avais un peu peur parce que je n'ai jamais fait ça. Pendant ce temps, les présentateurs juniors s'exerçaient aussi. Bienvenue dans ce journal spécial Enfants de l'UNICEF. C'est parti. Bonne nouvelle pour les agriculteurs de la partie septentrionale du Bénin. Le résultat, le voici. Le travail des enfants est interdit au Bénin et dans le monde. Ensuite, à Lokossa, ville située au sud-ouest du Bénin, nos reporters se sont intéressés au dialogue parents-enfants en matière de sexualité. Ma tâche à moi était de présenter le journal télévisé. On a reçu nos tests, nos lancements. Ensuite, on l'a présenté. On l'a d'abord révisé. Puis, on s'est entraîné avec plusieurs fois et on l'a présenté. La fin, tu t'es sentie comment? Je me suis sentie soulagée. Soulagée d'avoir fini. En aparté, Laura Sohou s'est également entretenue avec la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Une entrevue qui a porté sur la mission et les projets de l'UNICEF au profit des enfants. Je suis Laura. C'était mon interview avec la représentante de l'UNICEF sur des questions liées aux droits des enfants. Voilà comment la presse œuvre en faveur des enfants. Qui de mieux que les enfants pour parler des problèmes des enfants? Alors, pour en savoir davantage, le rendez-vous, c'est ce 3 mai sur Canal 3 Bénin à partir de 20h. Ce soir donc à 20h. Tanguy, prenez le rendez-vous. Bonsoir, rendez-vous. En attendant, il y a d'autres rendez-vous, de l'information sur Canal 3 Bénin. Après Actu Matin, à 11h, vous aurez droit au bulletin de l'information. Et puis, William Cléquin vous donne rendez-vous à 13h pour justement le journal de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Il y a aussi le rendez-vous de 19h30 pour le tour de l'actualité de la journée. On parlera certainement de la célébration de la journée du 3 mai. William Cléquin, merci pour ce service. Merci. Le tout premier de ce baptême. Il y en a un deuxième qui vous attend. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps de vous proposer l'actualité sportive. Une saleté, une tache, un ennui avec votre habit, qu'il soit local, moderne ou classique, drap, serviette, quel que soit le type. Une seule adresse, Leader Pressing. Équipé pour satisfaire toutes sortes d'exigences en matière de blanchisserie, Leader Pressing est le numéro 1. Vous avez un bon pressing, une bonne blanchisserie industrielle sur place. Pour vous garantir une satisfaction totale. Quel que soit le volume de travail que vous apportez, vous repartez toujours satisfait. Leader Pressing, c'est des mains expertes pour un résultat aux normes internationales. Leader Pressing, c'est le professionnalisme jusqu'au bout du linge. Leader Pressing, votre partenaire au quotidien dans la quête de la propreté. Les Moumouni, bonjour. Bonjour, Tanguy. Une seule actualité au menu, le Tour cycliste du Bénin, coup d'envoi hier, c'était à Parakoum. À l'arrivée, c'est un Marocain qui remporte le maillot jaune de la première étape. Oui, là, pour cette première actualité que nous allons aborder ce matin, le Tour cycliste, bien entendu, le Marocain, il a pour nom Achraf El Dogmi. Il a réalisé un chrono de 3h, 4 minutes 57, 56 secondes sur une distance de 132 km 53. Il devance donc le Camerounais à l'arrivée. Donc, qui s'appelle bien sûr Clovis Kamzong Abasolo, Tanguy, j'y arrive bien entendu, de 10, acrobatie, en tout cas. De 10 secondes comme vous le voyez sur les images. Mm-hmm. Et puis voilà, le premier Béninois est venu après le coureur de tête dans une échappée à peloton étiré. Ricardo Sojede donc a terminé 14e à 26 secondes seulement du maillot jaune. Il réalise un chrono de 3 heures sur 5 minutes 13 seconde. Et ceci avec quatre autres Béninois qui ont réalisé des chronos très proches de celui du maillot jaune. C'est pour la première fois de l'histoire du Bénin, du cyclisme béninois, que les Béninois, donc les coureurs béninois, se retrouvent à 26 secondes donc, du maillot jaune. Et donc l'espoir n'est pas perdu pour un possible maillot jaune au cours de cette compétition par le passé. Les Béninois terminent déjà la première étape à 3 minutes environ du maillot jaune et c'est
ce qui rend difficile donc la tâche pour la suite de la compétition. Et ceci, à travers cela, on peut donc dire que c'est un travail sérieux qui se fait au niveau de la fédération et il va falloir donc continuer, poursuivre dans cette dynamique. La prochaine étape, c'est ce matin à partir de 8h sur une distance de 156,42 km entre donc Parakou et Savet. Prenez donc le rendez-vous. Demain, on va revenir donc sur les différents résultats concernant la deuxième étape du Tour cycliste de la 18e Tour cycliste du Bénin. On va parler football à présent. On fait un tour en Algérie pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et donc, la compétition a démarré depuis le 29 avril dernier. Aujourd'hui, les deuxièmes journées se poursuivent depuis hier. L'Algérie était donc, l'Algérie pays hôte était face au Sénégal. Le Sénégal qui confirme toujours dans toutes les compétitions et dans toutes les catégories. Le Sénégal s'impose à l'arrivée. 3-0 sur le tableau des résultats que nous vous proposons. Par contre, l'autre rencontre dans le même groupe A de la soirée était entre le Congo et puis la Somalie. Rencontre qui s'est soldée sur un score de parité, un but partout entre les deux formations. Au classement général, on a donc le Sénégal qui est donc la première nation qualifiée pour l'étape suivante. Le Sénégal qui donc se qualifie après 6 points, 2 victoires entre, bien entendu, face à l'Algérie et face également à au Congo, pardon. Le Sénégal qui réalise donc, je dirais, une sans faute jusqu'à présent. L'Algérie est deuxième avec 3 points, suivi donc des deux Congo et la Somalie qui ont donc respectivement un point chacun. Tanguy au classement général. La suite, c'est ce soir avec le groupe B. Le Nigeria sera donc face au Maroc. Le Maroc qui avait battu en entrée l'Afrique du Sud sur le score de 2-0. Le Nigeria, donc, de son côté, avait donc battu la Zambie d'un 2-0. À 20h, il y aura la rencontre entre donc l'Afrique du Sud et la Zambie pour le compte de cette deuxième journée dans le groupe B. On revient au pays pour parler toujours football, donc le championnat national, la Super League Pro qui démarre ce soir avec la 14e journée. La 14e journée, donc les différentes installations au plan national seront donc en ébullition avec Aïsta Kone qui sera donc du côté de Kandi pour affronter l'association sportive de Cotonou. Ayema accueillera donc du côté de Pobé, donc l'Auto FC. Bani Gansé jouera contre la jeunesse athlétique de Kétou, Damissa aura pour adversaire l'association sportive du port autonome de Cotonou. Cotonou FC sera à Ouida face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Dragon jouera donc face à Dadje FC. Dynamo d'Abomey accueille donc du côté de Goro, l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. Pour finir, ce serait cette rencontre entre les requins de l'Atlantique et les buffles FC du Borogou. Rencontre bien entendu Tanguy qui compte pour l'histoire. Ça fait donc une très rude bataille entre les différentes formations. Donc, on va rappeler le classement général avant donc la fin de la 13e, après la 13e journée. Coton est toujours leader au classement avec 29 points, plus un goal average de 10. Et AIM, suivi d'Ayema FC qui réalise donc, je dirais, une saison aussi sans faute avec 28 points. L'Auto est donc 24, est donc troisième cette fois-ci avec 24 points à 5 longueurs donc de Coton. Je dirais tout simplement qu'il y a encore beaucoup à faire parce que Coton a encore 10 journées, 11 journées sinon, pour pouvoir se rattraper et donc reprendre certainement le titre parce que c'est ce qu'ils envisagent depuis le début de la saison et c'est bien annoncé par tous les responsables de ce club. En bas de classement, il y a donc l'association sportive de Cotonou, Buffles FC et Dragons qui sont en difficulté pour cette saison. Les Buffles, certainement, Tanguy, demain, on recevra quelqu'un des Buffles du Borgo pour nous expliquer la situation au niveau de cette formation qui a été, je dirais, trois fois champion du Bénin et vice-champion la saison dernière et aujourd'hui se retrouve avant-dernier. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Justement, et donc on en parlera certainement demain avec notre invité. Ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai par ici. Allez, Moumouni, merci beaucoup pour ce tour de l'actualité. On va se voir demain, non? Et vous aussi, vous avez un programme pour le vendredi? Ah oui, absolument. On verra bien de toute façon comment il faut le dérouler. Merci beaucoup pour le service. C'est moi. Et à demain. À demain. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, mais je vous apprends déjà que tout à l'heure, on va discuter autour de la question donc, de la liberté de la presse au Bénin. Les débatteurs, je vous les présente, Franck Aounou, William Cliquin et puis Georges Hamelon, notre invité ce matin avec Ulrich Gaba. Ce sera donc le plateau pour le débat. On aura deux sujets, on parlera donc de la question de la liberté de la presse, mais on évoquera aussi ce sujet concernant la sécurité
sécurité au nord. Il y a eu attaque dans la nuit du lundi à mardi. Une bonne dizaine de personnes civiles ont été tuées. On verra bien de quoi est-ce que cela retourne. On aura aussi droit dans cette deuxième partie de votre émission Actu Matin à la revue de presse qui va clôturer l'émission. Ce sera une signature, comme vous le savez déjà, de Asiangon, Kanye Asiangon. Et puis, cette nouveauté, cette rubrique signée Franck Aounou, à votre avis, je garde la surprise pour vous. Ce que je ne comprends pas, comment se fait-il que tu composes et que lors des résultats, de l'affichage des résultats, tu ne retrouves pas tes notes et qu'il y ait des casiers vides par-ci, par-là et tu vas faire des réclamations avec le temps qui court. Et malgré ça, tu ne retrouves pas encore ta note et il faudra reprendre. Ça, moi, ça m'écœure beaucoup. Ce que moi je ne comprends pas, c'est que bon, hier était déclaré comme journée de travail. Journée de travail. Maintenant, on a cours, c'est prévu comme rattrapage. Mais il y a assez d'amphis libres sur le campus, mais on n'a pas trouvé d'espace où faire cours. Prétendu que tous les amphis sont fermés, qu'il n'y a pas de clé pour ouvrir les amphis. Donc on est obligé d'aller sous les dortoirs pour aller faire cours. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est la chaleur qui règne dans les salles des facultés, au fait. Il fait trop chaud jusqu'à on a fait un coup. Ils étaient obligés de nous laisser sortir à cause de la chaleur. C'est ça, surtout nous qui sommes en faculté. La chaleur est insupportable à des moments. Il n'y a pas de brasseur ni de climatiseur pour nous. C'est ce que moi, je ne comprends pas. Ce que moi, je ne comprends pas est que parfois, pour faire les cours dans nos amphis, là, on ne trouve pas de micro. Or, nous sommes nombreux. Et pour ce faire-là, tout le monde n'arrive pas à assimiler les explications données par le professeur. C'est un peu ça ce que moi, je ne comprends pas dans tout ça. Ce que moi, je ne comprends pas, c'est comment ils arrivent à continuer par construire des bureaux, je vais dire, sans pouvoir augmenter les salles de classe. Ce que moi je ne comprends pas, à chaque fois qu'on a des rattrapages, il n'y a pas souvent des amphis libres. Et nous sommes obligés de faire des va-et-vient au niveau du département avant de trouver des amphis. Quand il pleut aussi, les amphis sont presque occupés. Et ceux qui finissent les cours peut-être à 13h sont obligés de rentrer sous la pluie pour pouvoir rentrer chez eux. Donc, il n'y a pas vraiment des hangars pour permettre aux étudiants d'abriter ces endroits-là quand il pleut. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la deuxième rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Orpéolois. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Vous avez donc suivi votre rubrique, la toute nouvelle, ce que je ne comprends pas, signé Franck Aounou. C'est une sorte de vox, hein, pour donner la parole à quelques citoyens en vue de se prononcer sur un certain nombre de problèmes. Et pour ce premier numéro, notre reporter de circonstances est allé à l'université d'Abou Mekalavi. Vous avez pu vous en rendre compte par vous-même. Place maintenant au débat. Et voici donc ceux avec qui je vais faire la discussion, Franck Aounou. Il sera sur ce plateau avec William Cliquin et notre invité Georges Hamelon. Tous vont se prononcer sur le sujet de l'actualité. On aura donc deux précisément. La question donc de la liberté de la presse,
Et puis le second lié à cette actualité, donc dans le domaine sécuritaire, le Bénin qui a connu quelques attaques dans la nuit du lundi à mardi dernier à Kaobagou, dans la commune de Kéroum. Eh bien, dans une ferme, des citoyens ont été agressés, attaqués. Une bonne dizaine a perdu la vie. Voilà donc mes débatteurs qui s'installent. Je vais leur dire bonne arrivée. Il y a déjà un qui est passé par ici. William, merci de revenir. Merci, Tanguy. Bonjour. Bonjour. Louis Gaba, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur l'Actu Matin. Franck Aounou, bonjour. Bonjour, Tanguy. Merci pour ce que je ne comprends pas. On va dire deux mots tout à l'heure. Hein. Et puis, bonjour à notre invité, Georges Ablan. Bonjour. Est-ce qu'on doit vous présenter encore hein? C'est inutile, grand journaliste à la retraite. Vous avez fait votre parcours à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Franck Aounou, une nouvelle proposition désormais, ce que je ne comprends pas. Oui, ce que je ne comprends pas, vous avez pu vous en rendre compte. Et si on doit faire un petit résumé, c'est que les gens ont envie quand même de parler, de dire des choses qui ne marchent pas, mais dans un langage bien entendu responsable. Vous voyez, lorsqu'on a fait le tour hier sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi, nous avons vu des étudiants qui, on dirait, avaient ces trucs-là dans le ventre et qui avaient envie de s'extérioriser. Mm-hmm. La rubrique ne va pas au-delà, c'est de permettre aux gens. Mais le concept, c'est juste, avant de donner votre avis sur telle ou telle question, vous dites ce que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ah oui. Et le Ricard, des choses qu'il ne comprend pas, William. J'en ai beaucoup, hein, moi. Beaucoup, en tout cas, concernant deux sujets. Le premier, d'ailleurs, c'est là où nous en sommes, justement, concernant la liberté de la presse au Bénin, le Ric Gaba. Je dois dire, hein, ça fait quand même un bon bout de temps que le Bénin, en tout cas, célèbre sa presse. Mais là, ce n'est plus vraiment la belle forme. Hein. Tanguy Aguri, est-ce qu'on peut dire que ce n'est plus la belle forme? Il y a toujours des professionnels, de très bons professionnels des médias au Bénin. Et quand on parle de liberté de la presse, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte. D'abord, le côté professionnalisme même, d'abord, de la corporation. Et l'autre aspect, c'est les rapports, c'est-à-dire l'interaction entre la corporation, le gouvernement, les autres structures, que ce soit gouvernementale ou semi-gouvernementale. Donc, c'est quand on fait le point de tout cela qu'on se demande, est-ce que la presse est vraiment libre aujourd'hui? Eh ben, pour vraiment dire, aborder les sujets qu'il faut, opiner comme il faut, et puis analyser la situation dans la mesure du possible. Je pose la question comme ça, alors. Vous sentez-vous libre? Je peux dire que je suis libre parce qu'aujourd'hui, nous abordons assez de sujets, nous parlons de ce qui en est. Mais maintenant, dans le fond, est-ce qu'il faut dire que est-ce que la presse est libre? Parce qu'il y a eu des problèmes de justice. C'est là que la vraie question se pose. Est-ce que la presse est vraiment libre? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Oui, mais c'est la question que je vous pose en vous demandant si vous êtes libre puisque vous êtes homme de la presse. Ben, moi, je me sens libre. Je me sens libre. Donc, parce que j'aborde certains sujets. Franck Aounou, même question. Vous sentez-vous libre? Oui, je me sens libre. Pourquoi pas? Je me sens libre parce que la liberté, c'est d'abord un problème intérieur. Quand vous sentez que vous faites votre travail avec le professionnalisme qu'il faut, que vous vous débattez malgré les difficultés pour vous en sortir, vous arrivez à imposer cette liberté-là. Maintenant, la liberté prise dans un autre sens, lorsque nous nous mettons dans le sens de la société, de la collaboration entre les relations interpersonnelles, les relations avec ceux avec qui vous devez collaborer, eh bien, il y a des choses à reprocher. La liberté, pour moi, c'est d'abord l'effort que vous faites pour respecter les règles de la profession. Ensuite, les conditions qu'on vous crée pour exercer cette profession-là. Et enfin, la partition que doit jouer, par exemple, le gouvernement, que doivent jouer les autorités pour nous permettre d'aller aux sources d'informations. Et c'est là que le problème se pose aujourd'hui, puisqu'il est difficile, d'avoir accès à l'information à certains niveaux. Vous avez vu, vous avez évoqué tout à l'heure la question du terrorisme. Je l'ai souvent dit, si vous voyez Fraternité FM à Parakou faire des efforts pour nous donner ces informations, allez demander à quel prix. Mais lorsqu'il y a ces gens d'attaque, je ne sais pas si le gouvernement a déjà publié
communiquer pour nous dire toujours, pour nous dire cela, mais ça me pose moi un problème. Ou des populations, j'ai vu des images ce matin, moi j'étais écœuré, j'ai vu des gens dont les pieds sont partis à cause des mines qu'on a posées par terre, et on doit pouvoir nous dire, et nous à notre retour, à notre tour pardon, dire aux populations ce qu'il s'est passé pour les alerter pour d'éventuels problèmes. Je suis libre en tant que journaliste là. Je suis libre. Ah, oui. Et autant que nous sommes, je nous crois libres. Parce que la liberté, c'est déjà cette capacité à se conformer à la déontologie, selon moi. C'est que le cadre juridique et législatif ne soit pas contraignant, ne nous impose pas de dire ce qui n'est pas, ne nous impose pas de ne pas pouvoir dire ce qui est ou d'avilir ou d'essayer d'une manière ou d'une autre de transformer les formations, de la dénaturer. Maintenant, dans la pratique, est-ce que nous arrivons à jouir de cette liberté pleinement? Est-ce qu'elle nous suffit? Est-ce que nous la mangeons? Permettez le terme à satiété. C'est là que je me pose peut-être la question. C'est là que nous allons faire le débat. Faites le constat avec nous, justement, et tirez vos conclusions. C'est de ça que nous avons besoin. Vous êtes l'acteur en action. Dites-nous véritablement quels sont vos soucis, si vous vous sentez vraiment libre d'aborder tous les sujets qu'il vous plaît, en tout cas en fonction de la déontologie et des règles du métier. Absolument. Je crois qu'aujourd'hui, il n'existe pas une seule question qu'on ne puisse aborder. Maintenant, nous, en abordant une question, la première chose dont nous avons besoin, c'est l'information à la source vérifiée. Là-dessus, déjà, il y a un grand problème. Lequel? Vous savez, la centralisation de l'information telle que nous la vivons aujourd'hui empêche la diversité des sources et notamment la confrontation de ces différentes versions pour que le heurt nous dégage le fait réel. Aujourd'hui, nous avons d'une manière ou d'une autre l'information institutionnelle qui nous tombe dessus presque par la même force, dans tous les canaux. Nous avons très peu de marge de manœuvre d'aller vérifier cette information parce que nous n'avons pas un accès direct à ces sources institutionnelles. Et donc, nous consommons l'information telle qu'elle est amenée et nous la relayons telle qu'elle. La biologie, je pense que c'est un frein. Je pense que c'est un frein. Notre capacité à toucher également les méandres de l'information, c'est pouvoir la creuser avec l'investigation. Et aujourd'hui, je pense que le principal frein à l'investigation dans notre pays, ce n'est pas le cadre législatif ou réglementaire, mais c'est plutôt les moyens dont nous disposons pour aller à la source de l'information. Si je veux... Le moyen, c'est que lorsque je veux vérifier les chiffres du gouvernement par rapport aux adductions d'eau potable ou à la disponibilité de l'eau potable à Boticali ou je ne sais où dans le Bénin ou à Koklofinta, je dis n'importe quoi, j'ai besoin en tant que agent de Canal 3 Bénin, en tant que Canal 3 Bénin, maison de presse, de mobiliser les moyens, d'assurer de manière technique et le séjour journalistiquement parlant de cette équipe-là qui fait le travail. Ça, c'est un fait sociétal. Pour en venir un peu au thème de l'année, on parle de la jouissance des droits, la protection des droits grâce à la liberté de la presse. On va en parler tout à l'heure. On va donner la parole à notre invité, Jean Jamelon. Bonjour encore une fois. Bonjour. Alors, je ne vais pas oser vous le demander, vous êtes à la retraite, est-ce que vous vous sentez libre en tant que consultant désormais d'exercer librement ou comment vous voyez-vous la presse par rapport au temps où vous l'aviez exercé? Eh bien, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. La vérité, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est que au temps que nous sommes, nous prétendons être libres. Mais la vérité, nous la touchons tous du doigt, nous essayons de l'effleurer sans vouloir en parler. Ah oui? Mais la vérité, nous le savons tous, autant que nous sommes, c'est qu'il y a des sujets aujourd'hui que nous n'abordons plus, sur lesquels nous n'allons plus au fond des choses. Ah oui? Vous êtes dans un organe privé. Dites-moi quel est l'organe privé au monde qui est capable d'aborder tous les sujets si à un moment donné, leur métier entre en contradiction avec celui, par exemple, des bailleurs, avec les intérêts de ceux qui apportent les fonds pour faire tourner la machine. Et puis aujourd'hui, quand vous regardez les organes du service public, ils vous paraissent vraiment libres de faire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent. Oui, mais est-ce que la liberté d'un organe de presse n'est pas d'abord en respect de sa ligne éditoriale? Dès lors qu'ils ont tracé une ligne éditoriale, les organes de presse sont libres, non? Sachez-le bien, la ligne éditoriale ne veut pas se confondre avec des restrictions de liberté. Oui. La ligne éditoriale, c'est juste une
manière de penser les choses. Mais ce n'est pas un frein à la question qui, d'aborder ou non un sujet. C'est tout autre chose. Je peux être de droite et parler d'un sujet en étant un homme qui pense à droite. Je peux être de gauche et faire la même chose. Mais ça ne veut pas dire que je dois m'empêcher d'aller vers un sujet dès l'instant où ça heurte des intérêts qui ne sont pas les miens. Et c'est tout le problème de la liberté. En vérité, là où se trouve le frein, c'est le moment où quelqu'un est capable de vous empêcher de dire tout ce que vous auriez à dire sur un sujet, oui, ou de fond, vous freiner d'une manière ou d'une autre. Est-ce que dans le fond, tel que les principes sont établis, le fonctionnement de la presse, etc., est-ce que dans le fond, on peut être véritablement et complètement libre? Je pose la question à qui? Oui, Franck Aounou. Ben, moi, je pense que on peut se donner les moyens de cette liberté-là. Comment? Lorsque déjà, vous définissez disons là où vous allez. Je suppose, je prends un exemple. Hein. Lorsque on parle aujourd'hui de la cherté de la vie, et le journaliste qui veut parler de la cherté de la vie, mais qui se dit, attention, il faudrait que forcément, que les réalités, enfin, le gouvernement puisse m'apporter son point de vue, ainsi de suite. Et ceux qui vivent même la liberté, pardon, la cherté de la vie, ce sont les populations. Parfois, vous voyez des journalistes qui, au lieu de s'intéresser à ces populations-là, préfèrent se diriger eux-mêmes parce qu'ils ont l'attitude d'aller voir les populations, mais on laisse les populations, on va vers les institutions. C'est un choix d'homme. C'est un choix d'homme. Non, lorsque vous parlez de la cherté de la vie, c'est d'abord vous-même, c'est d'abord les populations à la base. Le gouvernement, lui, il est dans son rôle. Il va dire, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais pour ressortir la bonne information, comment ça se vit? Vous devez d'abord interroger les populations. Mais lorsque le journaliste prend délibérément le choix d'aller voir l'État, enfin le gouvernement, les institutions, pour prendre ce que le gouvernement veut dire, ce que les structures veulent dire, moi, je pense qu'il y a déjà un problème. Mm-hmm. Ça veut dire que dans notre démarche, nous ne faisons pas bien les choses. Je voudrais dire que le principe du contradictoire s'oppose totalement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le choix d'angle ne vous empêche pas d'avoir ce principe du contradictoire. Ah oui? Il faut bien que tous les points de vue puissent être énoncés. Et c'est quand on a parcouru les différents points de vue qu'on est assuré d'avoir donné l'information vraie au public. Si vous vous contentez d'un point de vue, vous n'avez qu'un témoin. Oui, mais et on dit qu'un témoin dans la course à la recherche de tous les avis, est-ce qu'on ne propose pas à la fin un cocktail presque parfois indigeste à notre auditeur, à notre C'est là que se trouve la beauté de notre métier. Nous recherchons le contradictoire, mais nous recherchons aussi l'équilibre. Et c'est à nous de traiter l'information et de la rendre digeste pour le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur. Mais à partir de ce moment-là, lui peut se faire une religion. Ce n'est pas à nous de faire sa religion. Oui, mais dès lors que vous faites savoir qu'il y a quand même quelqu'un qui apporte quelque chose pour que la machine ne grince pas ou ne coince pas, est-ce que véritablement on peut être totalement libre et exercer son métier? Mais je crois que précisément la liberté est une quête. Vous le savez très bien. Ce n'est dans aucun pays du monde, et je le dis avec force, dans aucun pays du monde, vous ne trouverez une presse absolument libre. J'ai travaillé en France pendant un certain nombre d'années, j'ai travaillé pour la BBC, j'ai travaillé pour beaucoup d'organes à l'extérieur de ce pays. Dans aucun pays du monde, la presse n'est totalement libre. Vous devrez surprendre quelques téléspectateurs qui, quand même, en comparaison avec ce qui se fait ailleurs, assènent beaucoup de coups à la presse béninoise. Oui, bien sûr. Mais nous avons tous des défauts. Et les défauts cardinaux qui sont les nôtres, nous les connaissons. Mais nous savons aussi ceux des autres. Écoutez, regardez la presse en France aujourd'hui et dites-moi si elle n'est pas conditionnée par les grands patrons de presse. Et vous savez très bien ce qui arrive quand vous allez parler mal de Bolloré sur C8, par exemple.
La vérité est celle-là que à chaque fois, la liberté est une quête. Et c'est à nous, journalistes, justement, d'aller chercher ce qu'il nous faut pour pouvoir aller dans le sens de cette demande de notre public. C'est là que se trouve toute la noblesse de notre métier. Éric, oui. Vous savez, aucune liberté n'est totale. Aucune liberté n'est totale. Que ce soit dans la presse ou dans d'autres corporations, aucune liberté. Non, autant dire qu'il n'y a pas de liberté. Non, attention, il faut nuancer. En fait, quand on parle de liberté, je reviens au canevas de la presse, il faut d'abord voir deux aspects. Le premier, c'est d'abord qui fait le travail, dans quelles conditions et pour quel but. Qui fait le travail, c'est un professionnel des médias, quelqu'un qui a été formé pour, qui connaît les règles du métier, parce que c'est un métier codifié, qui a sa déontologie, qui a son éthique. Maintenant, qui utilise quels moyens ? Là, nous parlons beaucoup plus d'abord de la collecte des informations. Et c'est en cela que William avait raison tout à l'heure, disant qu'il arrive des moments où nous nous heurtons à un mur quand nous voulons avoir certaines informations, quand nous allons vers certaines sources. Ça, c'est de droit. Parce qu'en réalité, il arrive des moments où des informations devraient être données, mais comment cette information sera traitée? Et c'est ce qui fait d'ailleurs la nuance avec les web activistes qui aujourd'hui balancent toutes les informations sur les réseaux sociaux sans traitement, alors que le journaliste qui a son information fait d'abord des recoupements. Georges Arnaud l'a dit tout à l'heure, il faut faire des confrontations, voir ce qui est, donner les différents avis. Et ce n'est pas au journaliste tout de suite de donner son avis. Il laisse la population, le lecteur ou le téléspectateur ou l'auditeur, se faire son opinion. Que ce n'est pas et maintenant, de dire le journaliste ne donne pas son opinion. Alors même qu'il la réalité est homme de chair, il est homme de chair et de sang et de pensée, de perception, de conception. Voilà pourquoi les genres journalistiques chez nous sont bien différents. Vous pouvez avoir des gens qui s'occupent du factuel, mais vous pouvez avoir des gens qui s'occupent de l'opinion. Si vous avez envie de donner votre opinion. Oui, mais moi je veux bien voir le reporter. Comment est-ce qu'il peut être vraiment je dois dire objectif, de façon vraiment objectif en griffe, et pour me répéter, de sorte à ne pas être, ma foi, vous savez, ne pas laisser quand, sa tête quand on parle à, d'un fait, à sa réalisation. Quand on parle d'un fait, on parle d'un fait. Oui. S'il s'est déroulé le 3 avril, il s'est déroulé le 3 avril. S'il s'est déroulé le 3 mai à 18h, il s'est déroulé le 3 mai à 18h. S'il s'est déroulé à Godomain, c'était à Godomain. Et ça ne changera pas. C'est le factuel qui fait la différence. Après, ce que nous pensons du fait, nous sommes libres de l'énoncer. Mais nous choisissons le genre qu'il faut et nous ne mélangeons pas les faits et nos commentaires. Je crois que dans le relais de l'information officielle, dans le relais, dans le reportage, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'information pure et dure, il n'y a pas vraiment matière à s'inquiéter. Mais c'est là où on dit, dans la maxime célèbre, que le commentaire est libre. Je crois que c'est sur ce point que la machine répressive fait peur d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre, et on parle de liberté de presse non acquise. Quand je prends le contexte mondial, par exemple, il nous est revenu que 55 journalistes, par exemple, en 2022 seulement, sont décédés du fait de leur profession. Donc, au plan mondial, déjà, la liberté de presse est en brigade. Il y a un souci. Sur le continent, la Tunisie et le voisin ouest africain, le Sénégal, s'illustrent avec le nombre d'incarcérations de journalistes, le nombre de journalistes traduits en procès pour fait de leurs opinions ou de leurs écrits. Et donc, je crois que sur un plan global, on a envie, quand on est État, et qu'on sait que la presse est ce quatrième pouvoir, même si on ne l'admet pas, on a envie de maîtriser ce que la presse fait. Et c'est là-dessus que la liberté est vraiment hypothéquée par un droit ou non. Quand nous parlions du contexte béninois, je pense que substantiellement, ce qui fait graisser les dents chez nous, c'est que malgré toutes les actions qui sont menées, toutes les envies des corporations, des fêtières,
c'est qu'il y a encore possibilité, pour une raison ou l'autre, qu'un journaliste se retrouve derrière les barreaux. Ah oui. Je crois que quand il y a encore ces possibilités, il y a même des gens qui ont suivi des tortures dans des procédures judiciaires, des procès qui sont devenus, ma foi, des goulots d'étranglement, parce que ne serait-ce que la pression psychologique sur un accusé qui se voit au tribunal presque chaque semaine et qui voit son procès reporté, bien qu'il soit professionnel des médias et que ce soit du fait de sa profession qu'il est interpellé, je crois que ce sont ces pressions qui nous enlisent. Sinon, dans le relais de l'information, je crois qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Et allez, parmi les boulots d'étranglement, je ne suis pas aussi optimiste que vous pour une raison toute simple. Oui. Vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a des sujets que vous gardez d'aborder, que ce soit en matière de faits ou que ce soit pour faire des commentaires autour. Mais ce n'est pas propre au Bénin, vous l'aviez dit tout à l'heure. Partout, mais je ne dis pas le contraire, mais ne me dites pas après ça que nous sommes plus libres que les autres. La vérité est que nous avons l'impression que c'est seulement quand on met un journaliste en prison qui a atteint à la liberté de la presse. Ce n'est pas vrai. La pression qu'on met sur le journaliste pour qu'il n'aborde pas certains sujets. Écoutez, nous allons sortir de la politique et je vais vous demander à tous, lequel d'entre vous ose écrire contre les réseaux GSM? Dites-moi quel jour vous avez vu un article qui critique les réseaux GSM. Oui, mais vous faites passer des associations de consommateurs par ici. Et pourtant, oui, vous faites passer des associations de consommateurs. Mais Canal 3 a-t-il déjà mené une enquête sur la qualité de nos réseaux, capable de dénoncer des choses que nous tous, nous vivons au quotidien? Allez, il y a un avis qui vient de me parvenir, c'est celle du secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré. La presse béninoise est certes libre, mais elle n'assume pas encore la plénitude de sa mission. Elle se contente dans la plupart des cas à relayer des informations faciles, mais n'aborde pas les sujets qui fâchent. Elle ne joue pas pleinement son rôle de quatrième pouvoir. Justement, alors, parlant de la presse béninoise, deux secondes, Franck Aono, nous avons le temps qui nous presse. Eh bien, nous avons réalisé un élément sur le parcours de la presse béninoise, observé par Reporters sans frontières ces cinq dernières années. À quoi est-ce que ça ressemble, pardon, cet itinéraire-là? Voici le constat. Chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de la presse, l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières, RSF, qui se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et de la protection des sources, des journalistes publient un rapport qui décrit le visage de la presse dans le monde et les conditions dans l'exercice de cette profession dans chaque pays. Le Bénin a été souvent présent dans le classement et sa position varie d'une année à une autre. Ainsi, ces cinq dernières années, le rang occupé par notre pays donne à réfléchir. En 2019, il reculait déjà de 12 points relativement à 2018, 84e place mondiale, et occupait la 96e place sur 180 pays au monde. 2020, le Bénin est classé 113e et 114e en 2021 et puis 121e rang en 2022. À travers ce classement annuel, il apparaît que le Bénin n'a pas été bon élève en matière de respect des droits des journalistes et par ricochet, de la garantie de la liberté de la presse. Pour preuve, en 2022, on notait déjà une dégringolade de 7 places. Des scores en dents de scie qui prouvent qu'il y a encore des efforts à fournir pour soigner l'image du pays en matière de presse. Pendant ce temps, RSF poursuit son combat pour ne laisser aucune atteinte à la liberté de l'information sous silence. Le PMB, la CNPA, les professionnels des médias et les gouvernants sont donc appelés à se mirer dans ces classements et les rangs occupés par notre pays ces dernières années. Voilà les marches que nous avons tenues ces cinq dernières années. Ça vous inspire quelque chose par hasard, Georges Amelon? Ça nous inspire tout simplement que nous sommes en recul et ça, c'est une chose qu'il faut observer et qu'il faut reconnaître. J'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas me cacher derrière mon petit doigt. La vérité est que de ce point de vue, aujourd'hui, nous sommes de moins en moins libres. Moi qui suis dans ce métier depuis une quarantaine d'années, j'ai vu passer le temps, j'ai vu pratiquer mes confrères comme j'ai pratiqué moi-même. Il fut un temps où je disais aux gens qu'à l'ORTB, j'étais plus libre
que quand j'étais à RFI. Carrément. Et ça surprenait. Mais la vérité, c'est que c'était le cas. Nous avions une époque où personne ne pouvait nous dicter ce que nous avions à faire. Nous décidions souverainement des sujets que nous abordions et nous les abordions quels que soient. Vous diriez certainement le bon vieux temps maintenant. Non, je ne dirais pas le bon vieux temps parce que quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. Il existe toujours des journalistes qui font des efforts, qui travaillent et qui se battent. Mais ce n'est pas le cas de la corporation. Mais ce n'est pas simplement le fait des journalistes. Mmh. C'est aussi que notre corporation est tellement fragilisée aujourd'hui qu'il est très, très difficile aujourd'hui de s'affirmer comme journaliste et de vouloir, disons, bomber le torse pour aller... Qu'est-ce qui fait ce regret de la place de la presse béninoise dans le classement RSF? À votre avis, on a vu le secrétaire général de la COSI Bénin accuser carrément les acteurs des médias. Ils sont libres, mais ils veulent pas l'assumer, Franck. Non, c'est vrai. Je respecte l'avis de Noël Tchadaré, le secrétaire général de la COSI. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Ce qui fait aujourd'hui que nous n'évoluons pas, que nous marquons toujours les pas, moi, je pense que... On recule. Ce qui fait que nous reculons, c'est ce que nous disons tous. Hein. Il n'y a que... parfois, nous-mêmes, journalistes, nous banalisons notre métier. Ah oui. Et nous donnons l'occasion à ceux qui sont en face de banaliser ça davantage. Comment nous banalisons? Alors, nous banalisons parce que vous voyez, à cause des difficultés économiques que nous avons commencé par enregistrer ces dernières années, on était presque dans le gouffre quand la COVID est arrivée. Mm-hmm. Et vous avez vu, les entreprises de presse ont commencé par sombrer. Et beaucoup aujourd'hui, ont fermé, beaucoup ont fermé. On a envoyé des journalistes, des confrères au chômage. Ceux qui ont pu tenir, c'est des gens qui ont redéfini, qui ont remodelé un peu la façon de faire les choses. Mmh. Vous avez vu aujourd'hui, même il y a des organes de presse, des entreprises de presse qui ont élargi leur champ d'activité carrément. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait ont versé tôt dans ce qu'on peut appeler, en griffe, la communication à outrance. Ou ce que vous ne devez pas dire, on le dit parce que vous avez besoin des prébendes que vous tirez de ces activités-là. Du coup, lorsque vous communiquez à outrance, lorsque vous passez votre journée à faire l'éloge, à encenser quelqu'un, eh bien, vous n'êtes plus libre. Et cela, c'est compliqué. Vous voyez aujourd'hui les patrons de presse qui ont des cheveux blancs sur la tête parce qu'il faut creuser beaucoup pour assurer les charges, pour payer le personnel, pour tenir. Vous voyez, c'est compliqué. Oui, c'est bien intéressant de dire tout ça. Vous savez, très souvent, quand on parle, quand on dit que la presse béninoise n'assume pas, moi, je pense plutôt que c'est parce que la population veut toujours voir une presse incisive, une presse critique, une presse qui démentait, en fait, qui attaque constamment le gouvernement. C'est ça qui fait... On l'a vu à l'heure. Non, c'est ça, qui fait sensation en réalité. Donc, ce qui fait que quand vous abordez des sujets qui sont très importants, mais qui ne sont pas de nature à tout le temps attaquer le gouvernement, je suppose, par exemple, regarde, regardez la voix de Calavi. Elle est souvent dans l'obscurité le soir. Les journalistes à Canal 3, nous l'avons abordé. Nous avons montré le calvaire des usagers. En ce moment, ça n'intéresse pas trop parce que ça n'attaque pas le gouvernement, ça n'attaque pas directement la mairie. On veut voir une presse toujours incisive. Et c'est ça la véritable image que les gens veulent avoir de la presse. Mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il y a le volet professionnel du journaliste. Parce qu'en réalité, il faut d'abord que nous voyons aujourd'hui la qualité de la production journalistique. Georges Lamont qui est là, il est l'un des pères fondateurs de l'ODEM, il sait si aujourd'hui il fait la comparaison, il peut nous dire aujourd'hui quelle était la qualité de production journalistique et aujourd'hui quelle est la qualité de la production journalistique. Je précise encore qu'il y a toujours des professionnels des médias qui font très bien leur travail, mais ils urgent qu'on fasse également certains toilettages. On va pas s'auto-flageler tout le temps. Vous nous aviez parlé du contexte juridico-légal, vous dites que ça ne pose pas problème. On a quand même vu beaucoup de lois votées ces derniers temps, le code sur le numérique, dans un contexte où le journaliste n'a qu'à faire de presse valide, avec quoi justement on l'évalue quand il a écrit sur un site, a reçu le site de son journal par exemple. Est-ce que ce n'est pas un test qui le met en difficulté justement dans l'exercice de son métier? Absolument, Tanguy. Là-dessus, nous sommes
sommes d'accord. Et c'est en cela que j'ai parlé de la machine répressive. Aujourd'hui, vous le dites, personne n'a de carte de presse valide parce que ceux qui en avaient, ces cartes sont expirées et ceux qui attendent la conception de la toute première carte ne l'ont pas vu établie jusque-là. Et là-dessus, quelqu'un qui tombe sous le coup du code du numérique, par exemple, peut se voir sans cette carte de presse appliquer les dispositions du code du code pénal et se voir derrière les barreaux. C'est en cela que une justice clémente, une justice qui comprend le rôle de la presse, devrait faciliter la tâche. Le juge a des textes, mais il y a la jurisprudence au Bénin qui prouve dans plusieurs affaires. Je cite pêle-mêle Bénois libéré de 2017. Je pourrais en citer quelques-uns pour dire que parfois, quand du point de vue général, on comprend qu'on veut donner les moyens à la presse, ça facilite la tâche à la corporation. Parce que Ulric disait tout à l'heure que les Béninois nous attendent d'être bouillants. Mais nous ne sommes pas bouillants, nous l'assumons, mais parce que d'autres aussi ne le sont plus. Parce que si les syndicats étaient aussi tout aussi bouillants, on vous demande de vous laver et vous montrer l'autre qui est sale. Lavez-vous, c'est ce qu'on vous demande. Nous allons nous laver, par exemple, en traitant d'un sujet, comme le doyen l'a dit, sur les GSM, qui peut-être, depuis les deux grands principaux, ou du privé, depuis deux jours, un par rapport à Internet et l'autre par rapport au mobile banking, nous font subir un calvaire ces deux derniers jours. On n'a pas encore eu de communiqué pour s'excuser. Ils n'ont rien dit. Et donc, vous n'avez rien dit, en n'abordant pas cela. Mais d'autres aussi participent à cette accalmie quand ils n'ont plus certains propos, parce que nous allons l'attendre le micro, quand ils, les politiques, les syndicats et bien d'autres, ils diront certaines choses, nous ne nous lasserons pas de relayer ces informations. Le calme, il est général. Le contexte, il est contigu pour nous tous. Et nous reconnaissons, nous regardons dans la glace, nous reconnaissons que là-dessus, nous avons fait... Mais en matière de liberté de la presse, les premiers acteurs qui devraient être justement au front, ça doit être les journalistes, Georges Amoulon. C'est une évidence pour moi. Et vous savez, quand moi je parle de la presse, je la compare souvent à un restaurateur. Personne ne vous a demandé d'ouvrir une radio, personne ne vous a demandé d'ouvrir une télé, d'écrire dans un journal. Vous avez ouvert. Oui. Et une fois que vous avez ouvert, vous savez que vous devez fournir des repas de bonne qualité, 24 heures sur 24. Vous devez être présent pour votre clientèle. C'est vous qui avez créé votre clientèle, c'est vous qui devez l'alimenter. Et vous devez l'alimenter en produits de qualité. Alors, à partir du moment où vos produits ne sont plus de qualité, ne vous plaignez pas du tout que le client vous fuit ou qu'il vous dénonce ou qu'il vous regarde comme incompétent. La vérité, c'est celle-là. Et il faut que, de ce point de vue-là, nous fassions face à nos responsabilités. Mais faire face à nos responsabilités, c'est un tout. On a parlé du cadre juridique et légal qui est plus ou moins clément. Je dis plus ou moins clément parce que tout simplement, le code du numérique est venu alourdir beaucoup de choses que nous croyons déjà acquises. Mais quand on va plus loin, de quelle façon sont organisées nos entreprises de presse? Disons-nous la vérité, elles ne sont pas organisées, par exemple, tout simplement pour faire de l'enquête. Dites-moi quel est l'organe de presse aujourd'hui qui peut libérer un journaliste pendant 3 semaines pour écrire un papier de fond, en mettant tous les moyens à sa disposition. Vous regardez de près, vous n'en trouverez pas. Quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les organes du service public, vous vous rendez compte tout simplement que plus aucun opposant n'a droit à la parole. Il fut un temps. Mais il y a quand même un travail d'équilibre qui se fait au niveau de la radio. J'avoue que c'est un travail assez pertinent, Je viens de la radio nationale, croyez-moi, elle a eu une autre liberté de ton. Ne nous leurrons pas. Nous savons ce qui s'y passe. Donc, il faut savoir très clairement. Et si la radio nationale constitue une exception, ça signifie que le mal est profond. Ça signifie que personne d'autre ne donne la parole aux opposants, n'est-ce pas? À part la radio. Bon, alors, si vous le dites de cette manière-là, c'est un problème. Les capas, oui. Alors, je disais, oui, mais on a quand même un contexte un peu difficile, même si Jean-Jean n'est pas d'accord.
Le contexte législatif, légal, juridico-légal, je veux dire. Oui, le contexte législatif est un peu sensible. Il faut avoir le courage de le dire, c'est un peu sensible. Parce qu'aujourd'hui, quel journaliste béninois peut se prévaloir de détenir sa carte de presse? Si nous n'avons pas de carte de presse, ça veut dire que officiellement, nous sommes tous des web activistes à l'instant. Donc, tant que je n'ai pas ma carte de presse officiellement, ou des grogneurs, si vous voulez, puisque c'est là, on peut nous traiter de tous les noms. Et là, à partir de cet instant, c'est la loi sur le numérique qui s'applique à nous. Retenu les grogneurs comme faisant partie des acteurs d'opinion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à pleurer ou bien on continue à se plaindre? Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons continuer à céder la corporation. Je ne vous vois pas. Je crois qu'il faut. Regarder du côté des organisations. Je crois qu'il faut une réflexion profonde sur la question. On a fait des réflexions, Jean-Jean Blanc. La dernière fois, on a même fait un atelier. Vous savez, il y a une différence entre réfléchir en parlant beaucoup et réfléchir et en dessinant des axes selon lesquels on peut agir pour avoir des résultats. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, sachant le bien, nous ne pouvons pas nous permettre, sur un petit marché comme le nôtre, d'avoir 50 journaux, 50 quotidiens. Nous savons que ce n'est pas viable. Il faut se poser la question de savoir de quelle façon nous construisons des entreprises viables. Déjà, à partir du moment où vous avez des entreprises de presse qui ne sont plus capables d'embaucher de vrais journalistes, mais qui débauchent, disons, les jeunes étudiants que moi j'encadre à l'ISMA ou ailleurs, juste pour ne pas avoir à les payer. Mais croyez-moi, la garantie de la qualité, elle est déjà oblitérée. Il y a plein de sujets sur lesquels nous devons réfléchir pour de bon. Quelle est la qualité de nos entreprises de presse? Quand nous parlons du cadre légal, quels sont les contours qu'on doit pouvoir lui dessiner? Quand nous parlons du financement des médias au Bénin, de quelle façon nous devons nous en occuper? Et n'est-il pas oui, mais je ne vous vois pas justement aborder le sujet. Là, on a dit les journaux, ça souffre, ça a des difficultés économiques et financières. Je ne vois pas justement aller sur ce terrain. Vous savez, il y a du financement des activités de la presse. Il y a des questions de fond déjà que nous-mêmes nous devons régler. Aujourd'hui, je vous mets au défi de me citer un organe de presse au Bénin qui ne vend pas l'information. Quand quelqu'un fait un séminaire quelque part, vous n'y allez plus parce que ce qu'il fait vous intéresse, mais parce qu'il est venu payer. Dites-moi si l'information se vend. Il y a une limite et une difficulté là. En même temps, quand il organise son atelier... Laissez-moi aller au bout de ce que je veux dire. Ce dont vous ne vous rendez pas compte, et ça je le dis souvent, c'est peut-être parce que ceux qui payent ne sont pas conscients de tous leurs droits. Mais la vérité, c'est que si je vous paye, Tanguy Agoye, pour faire mon reportage, c'est moi qui vous dis ce que vous mettez dans le reportage. Ouais, c'est clair. C'est une évidence. Ça signifie que votre reportage n'a plus rien d'objectif. L'information ne se vend pas. Par contre, ce qui nourrit les médias, c'est tout ce qui ressemble à la production, ce qui ressemble à la publicité bien organisée. Et cette catégorisation-là, nous devons être capables nous-mêmes de les faire quand nous parlons du financement de nos organes de presse. Tant que nous serons en train de vendre l'information, c'est simplement que nous allons au plus pressé, nous parons au plus pressé, mais nous savons aussi que c'est ce qui nous en lise. Nous savons aussi que c'est ce qui fait que nos journaux, en général, ne sont plus de qualité. Parce que rempli de séminaires, d'ouverture, de clôture, de ceci, de cela, et plus de papier de fond. Allez, rapidement, on est tout le temps. Je parlais justement des fêtes hier. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de comment est-ce que nous finançons justement nos activités pour ne plus regarder du côté des contrats, etc. Ça va être un peu compliqué. Ah oui? Ça va prendre du temps. D'ailleurs, les réflexions, il n'en manque pas. Georges Hamon disait tout à l'heure qu'il faut réfléchir profondément. Les réflexions, c'est le propre du Béninois. Hein. On réfléchit beaucoup, on propose, on fait de belles recommandations. On a de belles idées d'ailleurs. On les range dans les tiroirs. C'est compliqué. On a fait les états généraux de la presse dans ce pays. On a fait beaucoup de... Chaque jour, on organise des ateliers. Ça devient même redondant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'aller peut-être tirer... Parce que les problèmes, nous les connaissons. Hein. Nous les connaissons, c'est posé. Sauf que ces dernières années, il y a des donnes qui sont venues un peu... changer un peu les habitudes, mais il faut prendre ces recommandations-là
et faire une lecture croisée par rapport à ce qui se passe maintenant, que nous nous assurons que nous nous disons la vérité. Mais lorsque vous allez dire la vérité, lorsque vous asseyez, vous retenez quelque chose, il y a toujours des gens qui ramassent le courant, qui n'aiment pas faire ce qu'il faut faire. Et donc, c'est là justement que les fêtières, je veux parler de l'UPMB, le CNPA et tout ça, on doit pouvoir les voir à l'œuvre, faire la pression qu'il faut, agir pour que les recommandations, ce que nous retenons ensemble, soient... On n'a rien dit aussi au sujet de l'Internet qui nous a pourri la vie ces 4-5 dernières années. Non, William c'est nous que nous ne sommes pas adaptés. Comment ça? Les médias occidentaux ont pris le pas sur les web activistes. Le fact-checking, la vérification de l'information en ligne, beaucoup de stratégies permettent aujourd'hui aux médias occidentaux de s'imposer à ces grogneurs du web, à ces leaders d'opinion, à ces blogueurs, vlogueurs de toute catégorie. C'est nous qui n'avons pas les moyens de notre politique. C'est nous qui, déjà du point de vue classique, sommes limités et qui ne pouvons pas passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire l'étape du numérique. Sinon ailleurs, les gens ont les moyens, de préparer l'audimat. Vous avez bien dit les moyens. Oui, nous savons ce que c'est le numérique appelle d'autres investissements, d'autres formations, d'autres profils de journalistes. Absolument. D'autres dispositions. Avec peu de moyens, on peut s'adapter. Avec le numérique. Absolument. Aujourd'hui, dites-moi, lequel d'entre nous ne travaille pas avec son téléphone? Nous avons besoin de quels moyens extraordinaires pour nous servir de WhatsApp ou de Twitter ou oui, de mais tout pour ce, filmer et faire des interviews à le vrai de débat, qualité le, en télé, il mais faut quand même... Sachez-le, aujourd'hui, beaucoup d'organes à l'extérieur filment avec des téléphones portables. Ah ouais, pas parce qu'on importe là, sous les tropiques, c'est tout bien, chaud. C'est bien là que se trouvent les choix que nous-mêmes nous devons faire. La vérité est celle-ci. Le problème qu'aborde William est celui-ci. La concurrence d'Internet, elle est comme si elle venait occulter le journalisme traditionnel. Et moi, je prétends que ce n'est pas vrai. Internet vient au secours du journalisme traditionnel. Internet apporte un plus au journalisme traditionnel. Dites-moi, lequel d'entre vous aujourd'hui ne travaille pas avec un ordinateur? Lequel d'entre vous ne va pas chercher ces informations par Internet? Oui, mais on a tendance que nos téléspectateurs nous ont fui et qu'ils sont plus accrochés à Internet. Du coup, on se demande s'il faut continuer à se réveiller le matin pour venir dans un micro. Prenons l'exemple du restaurant. Qu'est-ce que vous leur servez à manger? S'ils trouvent plus intéressant sur Facebook ou sur WhatsApp, ils iront là. Nous avons un public de plus en plus enclin. Mais sachez-le. Enclin au ludique, alors que ici c'est quand même plus. La vérité, c'est vraiment ce qu'ils trouvent d'intéressant sur Internet ou ce qu'ils veulent voir très tôt. Justement, et parfois ce qui. Il y a aujourd'hui des médias qui ont pu se positionner dans cette spontanéité de Internet et ils n'ont plus peut-être des téléspectateurs derrière les écrans de télévision, mais à leur pile, voyez le nombre de vues sur YouTube, voyez le nombre de vues sur le site web, ils sont suivis. Et je dis dans la spontanéité avec laquelle Internet court. C'est pour dire que nous n'avons pas les moyens de survivre, nous n'avons pas les moyens de nous adapter. Sinon, ActuMatin serait en direct sur je ne sais quelle plateforme. En streaming. Sinon, le journal télévisé. Vous savez, ce que vous dites là ne coûte pas si cher que ça. J'ai été directeur général de l'ORTB, j'ai demandé à mes jeunes de mettre les radios sur les plateformes. Ça nous a pris 3 mois et ça n'a pas coûté des 1000 et des 100. Mais l'Office de radiodiffusion a un budget de l'État, Canal 3 a un budget. Vous savez, c'est souvent les chemins que nous empruntons pour faire les choses qui, des fois, nous coûtent très cher. Croyez-moi, quand j'en parlais à d'autres personnes, on me disait « Oh, ça va coûter très très cher ». Et puis, il y a juste fallu que je fasse confiance à certains jeunes de chez moi. Je peux les citer nommément si vous voulez. Et ça a été fait aussitôt. La réalité, c'est qu'il nous faut aller au plus concret. Chercher en fonction de nos moyens. Lequel d'entre nous roule en Maserati? Nous n'avons pas les moyens de la Maserati. Mais nous avons un véhicule quand même. Le vrai débat, c'est que nous devons faire avec les moyens qui sont les nôtres. Mais c'est de la réflexion que possèdent les solutions que nous devons trouver par rapport. Allez, c'est juste une minute, le temps de son sujet. Éric Gavard, je pense que, regardez tout ce que nous venons de dire, il y a le problème profond et nous devons commencer par un assainissement à l'interne. C'est-à-dire, ça commence par là. Le premier travail, c'est de rendre les journalistes plus
professionnels dans la qualité de leur production. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de faire en sorte que les sources d'informations nous soient beaucoup plus accessibles. William l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on sent une sorte de centralisation de l'information, de sorte à ce que, quand vous avez besoin de certaines sources, c'est difficile d'y avoir accès. Et ça, ça pose un véritable problème. L'autre aspect qui a été abordé encore ici, c'est par rapport au numérique. Il est vrai qu'effectivement, les réseaux sociaux sont beaucoup plus, donnent beaucoup plus de célérité à l'information. Il y a beaucoup plus de sensationnel. Et c'est ça que les Béninois adorent. Mais pas seulement les Béninois, Béninois. Mais il faut vérifier l'information. Mmh. C'est là la différence avec le professionnel des médias. Mmh. Quand lui, il a l'information, il va d'abord vérifier la source de l'information. Il fait des confrontations, le traitement de l'information avant la diffusion. Donc vous voyez déjà, il y a beaucoup d'autres aspects qui entrent en ligne de compte. Mmh. Et je pense que c'est justement ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui. C'est d'aller beaucoup plus dans ce sens-là et de devancer les réseaux sociaux. Une information est donnée. Une rumeur est lancée. Il faut pouvoir dire cette rumeur, nous l'avons fait récemment parce qu'il y a. Nous l'avons fait récemment. La dernière fois, il y a eu explosion à Tofor, au comité de Tofor. Rapidement, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties. Mmh. Mais vous avez remarqué, la presse a pris le pas sur l'information en donnant les vraies informations. C'est-à-dire le communiqué des forces armées. Bien avant que les forces de l'ordre ne fassent leur communiqué, il y a par exemple Fraternité FM qui a pu avoir directement le porte-parole de l'armée, qui a bien précisé que ce n'est pas une attaque djihadiste et ce n'est non plus une révolte au sein du camp, ce n'est pas une mutinerie, mais plutôt un accident pyrotechnique. Donc vous voyez, allez, on va changer de sujet. Je vois que ça vous passionne beaucoup, mais la liberté de la presse, on en parlera. On en parlera toujours, hein, ça ne s'arrêtera pas. C'est une éternelle conquête, d'ailleurs, Georges Amelon. Je vous propose qu'on dise deux mots. Combat au quotidien. Je vous propose qu'on dise deux mots, justement, puisqu'il a commencé à l'évoquer, au sujet de la sécurité au Bénin. D'abord, un accident pyrotechnique. C'est comme ça que vous l'aviez appelé. Pyrotechnique. Hein. Pyrotechnique. Bon, voilà. Ça, c'est le porte-parole qu'il a appelé. À côté justement de cet accident pyrotechnique, on a une attaque au nord du Bénin, une bonne dizaine de personnes tuées. Justement, à l'occasion de l'attaque aussi, une bonne dizaine de personnes, ma foi, blessées. On a l'impression qu'en termes de sécurité, ces temps-ci, c'est pas vraiment la joie, hein, Franck? Non, c'est pas la joie, pas du tout. Alors, je pense que le problème est très sérieux, très sérieux. Et moi, lorsque j'étais encore paracou, à travers mes sources que j'avais, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, dans nos contrées reculées. Nous sommes peut-être ici à Cotonou, vous êtes à Paracou, mais lorsque vous allez dans les frontières, lorsque vous allez dans les localités reculées, mais les gens sont harcelés par ces groupes armés non identifiés. Ils viennent, ils débarquent et puis ils sèment la panique et ils s'en vont. Ils se retirent tranquillement. Ils se retirent, kidnappent des gens. Les informations que nous avons, c'est lorsque ça prend de l'ampleur. Lorsque ça se produit et les dégâts sont, morts, oui, des morts, les dégâts sont énormes. Sinon, il y a sérieusement de problèmes. Et je crois récemment, l'armée a pris ses responsabilités, a pris la mesure de la situation, a organisé un atelier pour parler de tout cela. Moi, je pense que le gouvernement doit agir. Et au niveau de ces zones-là, nous devons mettre en place un système d'information plus sophistiqué. Parce que c'est des gens... On a tendance souvent à dire que le gouvernement doit... Le non, mais malheureusement... C'est aussi un acteur d'information. On va informer, mais... Pas sur des questions aussi sensibles que celles-là. Il faut bien le savoir. Le vrai débat que nous avons aujourd'hui, c'est le contrôle effectif de notre territoire national. Ça, c'est une question qui ne peut pas... C'est le propre des pays africains, d'ailleurs. Hein. En tout cas, sous les tropiques, c'est difficile pour eux de contrôler les allées et venues parce au niveau de la frontière. Vous savez, nous sommes leurrés pendant longtemps en nous disant nous sommes un pays de paix. Mais comme il le disait tout à l'heure, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on entend parler dans certaines régions de notre pays de jeunes qui disparaissent pendant 2 semaines, qui étaient totalement désœuvrés, mais qui reviennent avec une moto. On ne sait pas d'où ils ont eu l'argent pour l'acheter. Il y a plusieurs choses de ce genre-là qu'on vous relate quand vous êtes en relation avec les gens qui sont à l'intérieur du pays. Le vrai débat, c'est que nous n'avons peut-être pas vu assez tôt venir ces déconvenues auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Et
n'oublions pas que quand on parle de contrôle du territoire national, ça passe aussi par l'implantation réelle de l'État. Moi, je me souviens, il y a quelques années, Gaston Zosu, qui était ministre de la Communication à l'époque, m'avait raconté une anecdote. Il m'a dit, nous sommes allés à Malanville et Gaïa parce que nous devions parler avec nos partenaires nigérians. Et des gens de l'ORTB là-bas m'ont dit, vous savez, l'ORTB n'est reçu nulle part ici. Et les gens ne reçoivent que le Niger, la radio Niger, Radio Niamey. Alors, il faut faire quelque chose parce que les Béninois finissent par se prendre pour des Nigériens. Et Gaston Zosu avait répliqué, vous exagérez quand même. Et un technicien de l'ORTB a fait venir un jeune qui était de Malanville et lui a demandé, dis-moi, qui est le président du Bénin? Et le jeune a répondu, Mamadou Tandja. C'était sérieux, hein? C'est pour vous dire tout simplement que quand on ne prend pas garde à ces choses-là, tranquillement, on se laisse déposséder. Et c'est ce qui nous est arrivé. On a l'impression que c'était trop facile. Ben, parce que tout simplement, nous avions l'impression d'être en paix, en sécurité. Mais nous avons oublié que celui qui veut la paix prépare la guerre et qu'il faut faire très attention à ce qui se passe sur ces frontières. Est-ce que quelque part, on n'a pas dormi un peu pour parler comme l'autre? Quand on sait que dans la sous-région, déjà, il y a une sorte de pression qui se fait sur ces groupes organisés et armés et qui doivent certainement opérer des mouvements, soit vers notre pays, soit vers d'autres horizons. William Clinton. On n'a pas vu la menace venir, Tanguy. Là, je suis d'accord avec vous. On n'a pas vu la menace, on ne l'a pas appréhendée à sa juste valeur. On a sous-estimé la teneur, même nous, professionnels des médias. Sinon, nous aurions davantage crié. On parle de la liberté de la presse lorsque l'agence Bénin Presse a disparu. Si aujourd'hui, l'AVP était encore dans tous les hameaux, je crois qu'on aurait un peu plus d'informations. Parce qu'on se résume à dire que ces alertes sur les médias sociaux peuvent être vérifiées comme elles peuvent ne pas l'être, mais... peut-être qu'il y a de vraies informations. Est-ce que nous avons les moyens de vérifier aujourd'hui? Ça, c'était une parenthèse. Pour dire que lorsque les puissances occidentales, notamment la France et autres, qui appuient les États dans la sécurité au Sahel, se voient venir au Golfe, c'est que la menace aussi vient au Golfe. Et ceux qu'ils traquent sont sur un terrain nouveau aussi et qu'ils y viennent. Donc, notamment les attaques de Pendjari au parc, certains enlèvements par moment, nous avons pris ça comme des effets d'annonce. Nous n'avons pas vu la mesure. Ça a été tellement loin de nous que nous ne voyions que ça allait venir. Les choses venir. Je me souviens de cette cavale. Lorsque vous considérez que Cotonou, c'est le Bénin, et que là-bas, on n'a jamais considéré Cotonou comme le Bénin. Non, il y en a qui, malheureusement, ne considèrent pas la vérité. Je ne dirais pas qu'on n'a pas vu le problème venir. Nous avons ignoré volontairement le problème. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne citerai pas de nom, c'est un fait réel. L'ancien directeur de l'agence pénitentiaire, en ce temps, il était commandant de compagnie à Natitengou. Il a attiré l'attention du gouvernement béninois, des autorités d'abord, sur l'aspect Kolokwalou. Et il a bien précisé que là, il y a d'autres, l'autre pays, le Burkina, qui vient souvent donner à manger aux béninois qui sont là. Mais à un problème, à un niveau donné, il a demandé qu'on agisse. Mais c'est quand le problème s'est présenté qu'on a commencé par attirer l'attention de tout le monde. Ce qui veut dire que nous avons sous-estimé la situation. Nous avons oublié. Il faut dire que ces Béninois se sont sentis oubliés de leur patrie. Et c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, nous devons aller beaucoup plus dans le sens de la coproduction de la sécurité. Seule l'armée ne peut rien faire. Il faut qu'on se dise la vérité. Seule la police ne peut rien faire. Il faut qu'on se dise la vérité. La coposition de la sécurité ne veut pas prendre des armes. Ça veut dire que, Jean-Jamal l'a dit tout à l'heure, vous êtes avec des Béninois ici, subitement ils traversent la frontière, ils reviennent avec des motos, vous ne savez pas ce qu'ils font. Il faut qu'on commence aujourd'hui par donner ces informations. Vous allez climat de délation, de délation, de suspicion. Nous sommes déjà dans ce climat de suspicion parce qu'aujourd'hui, observez, quand nous parlons des attaques d'Iradis, il y a même une ethnie qui se sent aujourd'hui beaucoup plus frustrée. De là à
aller à la délation, il n'y a voilà, pas à changer. Il faut prendre ce qu'il dit dans son entièreté et bien se rendre compte que aucun système de renseignement, fût-il de l'armée, de la police ou de quelque corps que ce soit, ne fonctionne sans ce qu'on appelle des indicateurs. Absolument. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de rapporter l'information. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de vous apporter du renseignement. Oui, mais nous, quand on est défenseur de la liberté, et d'aller, de venir, on peut s'inquiéter que de là à faire de la délation, vous savez, la condamnation rapide, les personnes qui travaillent de l'autre côté sont également des professionnels. Ne me dites pas que c'est pas parce que quelqu'un est venu vous dire que je suis un voleur qu'aussitôt vous allez dire au journal de Canal 3 que je suis un voleur. Non. Vous traitez l'information aussi. Il faut que les gens vous rapportent l'information et que les autorités compétentes la traitent comme il se doit. Là, il est parti rapidement, je ne l'ai même pas vu passer. Allez les gars, merci beaucoup. J'aurais bien aimé qu'on aborde le volet, je dois dire, apport des civils par rapport justement à cette question de sécurité, notamment les brigades civiles qui ont disparu. Je ne sais pas si ça a créé quelques ennuis, en tout cas, au recueil de l'information. Mais je voudrais dire une chose avec force. Là, oui, il faut surtout que le Bénin, comme il le disait tout à l'heure, ne soit plus limité à Cotonou. Il faut que nous allions véritablement vers l'intérieur du pays et que ces gens aussi se sentent aussi en sécurité. Surtout les autres frontaliers. Georges Amon, merci aux autres frontaliers. Parce que ces gens, Georges Amon, merci la panique, ils réfléchissent. Franck Aounou, merci beaucoup. Le Gaba, merci. William Seka, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le dernier acte d'Actu Matin, ce sera la revue de presse. Voici Asiongo Kanyi Asiongo. Bonjour à toutes et à tous. Attaque terroriste au Bénin annonce ce matin l'événement précis qui rapporte que le Bénin est une nouvelle fois frappé par des attaques terroristes d'une rare cruauté. Elles sont survenues dans la localité de Kouabagou, commune de Kérou, dans l'Atakora. Selon les informations, plusieurs individus armés non identifiés ont attaqué dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai 2023 aux environs de 23 heures. Une ferme située du côté ouest du village de Kouabagou. La peur règne en maître dans la commune de Kérou, souligne le matinal pour lequel les populations de la localité ont été prises à partie par des individus armés non identifiés qui ont égorgé et tiré à balles réelles. Le journal note que malgré les efforts du gouvernement pour éradiquer ce phénomène, la situation prend de l'ampleur. À en croire le Soleil Bénin Info, la population locale a été prise de court, réveillée en pleine nuit par les assaillants qui ont attaqué de manière sauvage les habitants endormis. Les premières informations indiquent un bilan lourd avec 10 décès exclusivement des hommes, tous des civils. Les autorités compétentes ont rapidement dépêché des équipes de police sur place pour constater les faits. Pour Fraternité, les Béninois étaient loin de s'imaginer que ces attaques seraient devenues réalité sur leur sol. Sans état d'âme, ces individus en arrivent à ôter la vie à leurs semblables. Ceci a des fins inavouées en dehors de la commune de Kérou. D'autres communes font l'objet d'attaques incessantes. Malgré les mesures du gouvernement pour réduire sensiblement le mal, on a comme l'impression que les attaques vont sans cesse grandissant. Il va falloir redoubler d'ardeur afin d'attaquer le mal à la racine, suggère le journal. Et puis le matinal informe qu'en marge de la réunion stratégique du groupe de la Banque mondiale, qui se déroulera du mercredi 3 au vendredi 5 mai 2023 au Centre international des conférences de Cotonou, une délégation du groupe de la Banque mondiale, conduite par son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a été reçue mardi au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. À travers cette rencontre, la délégation entend remercier le chef de l'État béninois pour l'accueil réservé aux participants au conclave à leur arrivée à Cotonou dans le cadre de cette rencontre de haut niveau du groupe. Rencontre qui a été délocalisée pour la toute première fois hors de Washington, D.C., grâce au management du président de la République. Le chef de l'État a su convaincre le groupe de la Banque mondiale
de la capacité du Bénin à accueillir des rencontres d'une telle envergure. En politique, l'interrogation de l'autre quotidien ce jour porte sur ce à quoi sert un chef de file de l'opposition. Le journal se demande par ailleurs si l'existence d'un chef de file de l'opposition empêcherait-elle les autres partis de l'opposition de s'exprimer et de se mouvoir librement. À quoi sert alors un chef de file de l'opposition? Sans doute pas à grand-chose, répond le journal, pour lequel ceci surtout dans un contexte où l'opposition est une réalité récemment revenue au devant de la scène politique béninoise et qu'elle n'a pas encore de stratégie claire pour l'avenir autour de laquelle elle peut s'unir et se déterminer pour des objectifs politiques précis pour un avenir proche. Dans ce contexte, le chef de file de l'opposition ne peut réellement exprimer que l'opinion de son propre parti. Mais, fait observer le journal, il faut indiquer cependant que le chef de l'opposition est surtout le premier garant de la mise en œuvre du statut de l'opposition et peut représenter toute l'opposition dans des circonstances où il n'est pas possible d'en rassembler toutes les composantes. Ce mercredi, c'est la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, un événement qui amène Fraternité à s'indigner que la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse passera et à moins d'un miracle, rien ne changera. Ce n'est pas une prophétie, mais une évidence. D'ailleurs, les réactions de la plupart des hommes des médias ne laissent place à aucune illusion. Pour ceux d'entre eux interrogés, l'état de la presse au Bénin n'est pas du tout reluisant. Et si le tableau peint est si noir, les raisons se retrouvent non seulement dans la relation entre les organes de presse et les autorités politico-administratives, mais aussi dans le fonctionnement et l'animation des médias. En somme, le piteux état des lieux décrit par les journalistes appelle à une réorganisation. Le journal de rapporter la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiat Latunji, qui confie que pour ce qui est de la situation de la liberté de la presse au Bénin, globalement, elle est assez reluisante car à l'heure actuelle, il n'y a pas de journaliste en prison. C'est un élément important et de satisfaction, mais comme le dit l'adage, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. On ne saurait donc se réjouir de façon extraordinaire par rapport à cette situation, parce qu'il y a toujours des choses qui ne se passent pas bien. Et déjà mardi, relate Bénin Intelligent, une délégation de l'association Elan Média, conduite par sa première responsable, la journaliste Ghislaine Adimi, a été reçue en audience mardi par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Au centre des échanges, l'initiative de Journée Média Bénin qui se tient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la presse. Ghislaine Adimi qui confie, citation, « Nous sommes venus lui demander de bien vouloir nous accompagner comme parrain de l'édition 2023 des Journées Média Bénin. Et c'est avec beaucoup de joie et de bonheur qu'il a répondu favorablement à notre demande. » Fin de citation. Dans la suite, l'économiste du Bénin informe que faisant du suivi des investissements une priorité, la commission de l'UMOA, à travers sa représentation au Bénin, a visité du 24 au 29 avril 2023 les riseries de Glazoué et de Malanville, deux projets qu'elle a financés au titre de son programme politique agricole de l'UMOA, accompagné des dirigeants des dites industries et du représentant du ministre de l'Agriculture, Yaovi Bachassi, s'est enquis de l'évolution de la production et de la transformation agricole dans ces entités. Un autre sujet traité par Bénin Intelligent porte sur les dessous des récentes coupures de l'énergie électrique. Le journal écrit que les perturbations observées ces derniers jours dans la fourniture de l'énergie électrique ne sont pas du délestage. Le directeur technique de la Société béninoise d'énergie électrique, René Sotomé, a apporté des clarifications suite aux multiples plaintes des abonnés. Quand on dit délestage, c'est que l'offre de l'énergie est inférieure à la demande. Et pour cela, nous sommes obligés d'isoler certaines zones du pays pour pouvoir assurer l'équilibre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Dans la fourniture de l'énergie, le système électrique doit rester en équilibre. Quand il n'y a pas d'équilibre entre la fourniture d'énergie, la consommation et l'offre, l'un ou l'autre tombe. Merci d'avoir suivi la revue de presse.
Cette belle signature finale d'Assiongo Kanyé Assiongo pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin pour le compte de ce mercredi 3 mai 2023. On aura parlé pendant les débats de la journée consacrée à la liberté de la presse. Les invités se sont prononcés. On a dit deux mots au sujet de la situation sécuritaire au Bénin avec cette attaque entre lundi et mardi au nord du Bénin, précisément de la commune de Kérou. Une dizaine de personnes ont perdu la vie. Demain, nous serons lundi, nous parlerons politique et surtout économie. On verra bien par ici l'acteur économie sur l'actu matin qui nous dira justement de quoi retourne l'actualité dans ce domaine-là. N'oubliez pas aussi que jeudi, eh ben, nous allons recevoir un acteur de la décentralisation au téléphone pour nous présenter un peu la situation de sa localité. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Ce fut un plaisir de vous avoir présenté ce deuxième numéro de la nouvelle saison d'Actu Matin. Vous prenez du plaisir à suivre Canal 3 Bénin. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Ne l'oubliez surtout pas, c'est à l'heure là que commence Actu Matin désormais.